Voilà, prenez place pour ceux qui viennent d'arriver. Est-ce que vous m'entendez si je parle fort comme ça? Oui. Au fond de la classe, là, près des radiateurs, vous m'entendez? Oui. Ok. Donc ça marche. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Je voulais vraiment commencer ce culte par lire un texte de la Bible, et c'est un passage que j'aime beaucoup. C'est peut-être le psaume préféré que j'ai, qui a été vraiment important pour moi il y a très très longtemps, et qui m'a parlé vraiment sur la grâce de Dieu, et qui m'a aidé à comprendre ce qu'était la grâce de Dieu pour ma vie, en tout cas personnellement. Et c'est le psaume 113, donc je vais vous le lire. Et il dit ceci, et je pense que c'est une bonne introduction pour la louange aussi. Et peut-être c'est la phrase clé que j'aimerais donner pour ce temps de louange. C'est le psaume 113 qui dit ceci: « Vous, ses serviteurs, louez l'Éternel. » Déjà, vous êtes les serviteurs de l'Éternel. Et je pense qu'on n'a pas conscience de ce que cela représente et de ce que cela veut dire. Louez l'Éternel pour tout ce qu'il est. Que l'Éternel soit loué dès maintenant et à toujours. De l'Orient à l'Occident, que l'Éternel soit loué. L'Éternel est élevé au-dessus de tous les peuples et sa gloire est plus haut que le ciel, plus haut que le ciel d'azur que nous voyons en ce moment, qui est sans nuages. L'Éternel est bien au-dessus de cela. Et parfois, je me demande si je le connais vraiment. Je me demande comment ça se passera le jour où je serai devant sa gloire. Est-ce que moi, qui dis facilement « je suis le serviteur de l'Éternel », je pourrais supporter sa sainteté, supporter sa gloire? Et je crois que si Jésus n'était pas là et son esprit ne venait pas me faire tenir sur mes jambes, je ne pourrais pas supporter cette gloire-là et supporter sa présence. Et je pense que ce sera quelque chose qui est au-delà de toute imagination. Et alors que le psalmiste dit « mais l'Éternel est très haut, très éloigné là-haut, inaccessible », il continue en disant ceci: « Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu ?» Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu ? Et c'est vraiment ce que je voudrais laisser comme leitmotiv durant ce temps de louange. Il a sa demeure dans les lieux célestes. Oui, mais, j'aime beaucoup les « mais » dans la Bible, il s'abaisse pour voir le ciel et la terre. Il arrache de la poussière l'homme misérable. Il relève l'indigent et le tire de la boue. C'est ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour vous, j'en suis persuadé. Il vous a relevé de la boue du péché, de la boue de votre situation, de la boue de la misère dans laquelle vous étiez, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit intérieure dans votre âme ou dans votre esprit, dans votre cœur. Et il vous fait asseoir, il le fait asseoir parmi les notables du pays. Il installe dans sa maison la femme stérile et elle y connaît la joie d'être mère de nombreux enfants. Rien n'est impossible à l'Éternel. Et le psalmiste termine en disant « Louez l'Éternel ». Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Répétez-le, qui est comparable à l'Éternel, notre Dieu? Ouais, il fait chaud, hein? Amen. En tout cas, voilà, je vais laisser la place à l'équipe de louanges et que le Seigneur vienne nous aider à rentrer dans ce temps avec conviction et force. Ok, merci pour votre patience, merci pour votre compréhension pour la technique. Merci à Flo, merci Roberto. Est-ce que vous voulez bien vous lever? Vu que vous avez froid, vous allez bouger. Non, on veut vraiment rendre un culte agréable à notre Dieu. Ça va? Vous êtes avec moi? Vous faites un signe de votre main? On a réellement besoin de vous. On ne va pas faire un temps d'animation musicale. On veut vraiment rentrer de plein fouet pour amener notre reconnaissance, notre amour devant ce Dieu qui n'est, où nul n'est semblable à lui, comme on vient de le dire. Amen? Amen? Amen! Yes!
droit de taper des mains, vous avez le droit de chanter fort. On veut vous entendre, on est loin de vous. Un seul corps pour louer notre Dieu. Un peuple en Ariège qui vous déclarait que nous sommes à Jésus. Tout ce que je suis, je m'abandonne pour ma vie. Je suis à toi. Je suis à toi. Alors je crie de son nom à vous, je veux vous entendre. Oh,
Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna dans les lieux très hauts, Seigneur, nous te louons, de tout cœur te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu, Hosanna dans les lieux très hauts, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te louons. Te louons. Sois exalté, Seigneur, mon Dieu, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus. Alors je crie ton nom. Sur tous les toits, je proclame, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi, je suis à toi. Tout ce que je suis, je m'abandonne, prends ma vie, je suis à toi. Alors je loue ton nom.
je loue ton nom. Alors 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 je loue ton nom. Élevons nos voix, mais tes mots, mais adore le Seigneur ce soir. Offre-lui ton parfum, offre-lui tes mots. Et qu'ensemble nous faisions un bouquet de louanges, d'adoration, qui réjouisse le cœur de notre Père, le cœur de notre Seigneur. Notre regard sur ce sacrifice qui est encore vivant aujourd'hui. Vivant et valable. Merci pour ta présence, Saint-Esprit, au milieu de nous ce soir. Tu as tout changé.
contemple la croix. Quand je contemple la croix. Contemplons-le peut-être une minute encore. Restons juste les yeux fermés.
sa douceur. Devant nous, car ton
Je pense à me mettre dans la zone de caméra. En tout cas, voilà, je veux aussi saluer tous ceux qui sont là de passage. Il y a des gens, je connais certains visages qui sont là de passage. Et on a toujours un problème de micro. Et il y a d'autres visages que je ne connais pas non plus. En tout cas, soyez les bienvenus. Je vais laisser la place juste à Cécile et à Jean-Hubert qui vont partager une parole qu'ils ont reçue ou une image qu'ils ont reçue pendant ce temps. Ça peut paraître peut-être surprenant pour certains, mais nous croyons que l'Esprit de Dieu agit et parle aussi durant ce temps. Et ce qu'ils vont dire est peut-être pour l'une, même sûrement, je pense, pour une personne qui est là, ou plusieurs, peut-être pour la personne se reconnaîtra dans ce qui sera partagé, ou peut-être c'est pour un temps qui arrivera après. En tout cas, voilà, je vais laisser la place à Cécile déjà, peut-être pour nous partager ce qu'elle a reçu.
Alors voilà, je vais vous décrire la situation que j'ai reçue dans mon cœur. C'est une personne qu'un ami a appelé à venir lui rendre visite. Donc je visualise cette personne qui arrive devant chez son ami et tout particulièrement devant le portail. Donc cette personne, elle est appelée par son ami et elle est attendue. Donc c'est vraiment pas une visite surprise. Et quand elle se trouve devant le portail, elle sonne. Et au lieu que son ami vienne accourir pour le recevoir avec un grand sourire, super, t'es là, je suis super content, le portail est clos. Et il y a un énorme chien qui sort et qui aboie tout ce qu'il sait. Alors vous imaginez bien que c'est pas vraiment être là, attendu. Donc la personne ne comprend pas, elle sonne et l'ami ne répond pas. Et par contre, il y a ce gros chien qui est toujours là et qui est très menaçant. Et cette personne est dans l'incompréhension parce que, comme je vous dis, elle est attendue. Elle a été appelée pour venir. Et le chien, surtout, lui fait peur. Alors il y a une chose qui m'est venue dans mon cœur, libre à vous de le comprendre. La personne a vraiment très peur de ce chien. Imaginez-vous une grosse bête, un gros malinois, vraiment. Elle a vraiment très peur de ce chien. Mais il faut savoir que le chien, même s'il aboie et qu'il joue son rôle de gardien, a aussi peur de cette personne, parce qu'il ne la connaît pas. Donc il agit, je dirais, de façon très logique. Je voulais souligner ça parce que c'était venu dans mon cœur. Cette personne, il y a une peur très grande qui monte en elle. Alors c'est vrai que ça fait référence un petit peu à ce qu'a dit Teferi la semaine dernière par rapport à peur dominante, mais c'est vraiment une très très grande peur qui monte dans son cœur. Il y a de l'incompréhension qui vient. Pourquoi? Alors que je suis attendue, d'un seul coup c'est avec un chien qu'on me reçoit, porte close. Et comme pour n'importe qui face à nos peurs, ben, elle a envie de s'enfuir. Et puis ça monte, ça monte, ça monte. Elle a l'impression qu'une énorme vague va lui tomber dessus, que c'est plein de sentiments très très forts qu'elle n'arrive pas à contrôler. Et il a envie de partir, de fuir. Et puis en même temps, il y a cette colère qui est là, qui dit, mais attendez, on m'a appelé, on m'a dit de venir. Cette personne commence à se rebiffer, à avoir cette nucrède. Le Seigneur dans mon cœur me dit pour cette personne, non, tu es attendu, je t'ai appelé à venir visiter cette personne. N'aie pas la nucrède, ne regimbe pas. L'Esprit Saint, Roua, va venir. Mais par rapport à cette peur que tu as en face de toi, peut-être que finalement ce chien, c'est quelque chose qui doit régler. Comme disait Teferi, affronte-la. Le Saint-Esprit va être là, il va te modeler. Mais ne regimbe pas. N'aie pas la nuque raide. Laisse-toi modeler, laisse-toi pétrir. Sois souple. Sois souple dans cette situation. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager. Merci Cécile. Voilà, c'est une image. La personne qui sera dans cette situation comprendra, je pense, à un moment donné, si ce n'est pas aujourd'hui, à quoi correspond le chien, à quoi correspond le fait de regimber, à qui est cet ami. Et il y a vraiment quelque chose qui est pour lui d'en haut, que le Seigneur veut vraiment veut apporter dans sa vie à ce moment-là, à lui d'être à l'écoute. Je vais aussi laisser Jean-Hubert nous partager une pensée qu'il a reçue. Merci. Pendant que nous étions en train de louer et d'adorer le Seigneur, j'avais une invitation du Saint-Esprit qui venait sur l'auditoire, et plus particulièrement sur certains d'entre vous. Et nous avons chanté à un moment donné avec Damien, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et à un autre moment, on a exprimé dans le chant, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et au moment où nous étions en train de chanter cela, j'avais le sentiment que plusieurs personnes ici n'étaient pas convaincues que Christ vivait en elles et que leur nom était inscrit dans le livre de vie. Et puis, j'ai dit, bon, je vais laisser passer. Et ça s'est intensifié dans mon cœur. Dis-le, il faut que tu interpelles ces personnes à s'approcher de moi. C'est le moment. Et peut-être qu'une de ces personnes va se reconnaître, je crois qu'il y en a plusieurs, mais il y en a une qui vient de vivre particulièrement un moment difficile au niveau sentimental. Personne qui a vécu une rupture, il y a quelque chose qui est douloureux, que tu traînes depuis quelque temps, et le Seigneur te parle à toi précisément. Le chagrin, la peine, la souffrance que tu vis, c'est Jésus seul qui peut l'enlever et la changer. Il veut vivre en toi. C'est Christ qui vit en toi, c'est Christ qui veut vivre en toi. Et ce soir, moi j'aimerais vraiment t'inviter, si tu te reconnais dans l'auditoire ici, à venir nous trouver, on va prier avec toi et pour toi. Mais un,
tu dois avoir l'assurance, si tu as donné ta vie à Christ, que ton nom est inscrit dans le livre de vie et que tu es sauvé pour l'éternité. Et deux, tu dois savoir que le désir le plus cher au cœur de ton Père céleste, c'est de vivre en toi. Donc, ce soir, si ce n'est pas fait, si ce n'est pas une certitude, on aimerait prier avec toi. On aimerait vraiment prendre le temps qu'il faut après ce temps de culte. Donc, ne pars pas sans avoir vécu un moment spécifique avec ton Dieu dans cette soirée. C'est une invitation importante. Merci Jean-Hubert. J'aimerais tout de suite passer au temps d'offrande et de dîmes. Je vais poser, si le fil du micro est assez long, les paniers derrière la caméra. Voilà. Et donc, je vous invite à vous approcher pour apporter vos dîmes et vos offrandes au Seigneur. Je vais prier pour cela et puis je vais aussi prier pour... On a une corbeille qu'on élève régulièrement dans laquelle les personnes mettent des billets, des petits mots qui sont des sujets de prière pour lesquels l'Église s'engage à prier et nous élevons vraiment cela devant Dieu, nous prions pour ces sujets-là pour que les situations soient changées, donc je prierai également pour ça. Est-ce que peut-être il peut y avoir un fond musical ou... Oui. Voilà, je... Quelqu'un peut revenir. Voilà, levez-vous pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, te bénissons pour vraiment ce que tu nous donnes, ce que nous avons, ce que nous sommes, parce que nous croyons que tout vient de toi. Si nous sommes en bonne santé, c'est par ta grâce. Si nous avons ce que nous avons, c'est par ta grâce. Si nous avons la force de travailler, c'est par ta force à toi, Seigneur. C'est toi qui nous comble de joie, c'est toi qui nous comble de bonheur, c'est toi qui nous comble de force. Et vraiment, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu nous donnes jour après jour. Et nous voulons simplement rendre de manière très limitée ce que tu nous donnes, faire un geste, prendre de nos ressources, parce que c'est toi qui, finalement, nous aide nos ressources aussi. Prendre ces ressources et puis te les rendre. Te les rendre pour que, effectivement, nous puissions continuer à parler de toi, continuer à te célébrer, continuer à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile autour de nous. Et te bénissons, Seigneur, pour cela. Que cet argent, que ces dons, ces offrandes puissent être utilisées avec sagesse. Merci, Père, en tout cas, pour ta fidélité dans nos vies. Et là aussi, si les personnes traversent des situations difficiles sur le plan professionnel, et nous savons que les temps qui arrivent ne sont pas simples, eh bien, n'hésitez pas, à la fin de ce culte, à vous approcher d'un responsable, d'une personne. Vous pouvez me demander, puis je vous redirigerai si nécessaire, et on priera pour votre situation. Amen. Et Seigneur, nous voulons aussi prier pour toutes ces personnes qui nous ont confié leur fardeau, leur lutte, leur combat, leurs épreuves qui traversent. Père, nous voulons vraiment te les amener. Nous voulons, devant ton trône, les déposer et te demander d'agir. Merci parce que c'est toi qui œuvres aujourd'hui et nous le croyons. Nous en sommes nous-mêmes les témoins. Tu as été dans ma vie personnellement, à l'œuvre bien des fois. Tu m'as sorti de situations tellement compliquées bien des fois. Et tu le fais encore aujourd'hui pour tant de personnes. Seigneur, que vraiment nous ayons la joie de pouvoir entendre ceux et celles qui ont mis ces sujets de prière et qui ont été exaucés, venir ici et dire combien Dieu est grand et bon pour eux. Merci en tout cas, Père, pour ta fidélité, pour ta bonté et ta générosité pour ces personnes-là. Amen. Je vais laisser la place à Myriam. Ma petite femme, pour ceux qui ne la connaissent pas. Petite, mais grande de cœur. Il fallait que je le dise, chérie.
Bon, j'espère que vous n'en avez pas trop marre des Tortorelli, parce que c'est encore une Tortorelli qui prend la parole. En tout cas, c'est un... Si je suis devant vous, en tout cas, je viens en tremblant. Parce que pour moi, vraiment, la parole de Dieu est quelque chose de tellement sérieux. Et c'est un sujet qui m'a vraiment travaillé. Et je ne suis pas... je ne suis pas très fière de venir comme ça. J'ai vraiment de la peur dans le cœur. Mais c'est ma famille. Hein. Vous êtes tous ma famille. Je sais qu'il n'y a pas de souci. Donc voilà. Le titre de mon message ce soir, c'est « De quel esprit es-tu animé ?» De quel esprit es-tu animé? Et si je parle de ça, vous pensez bien que c'est parce que c'est lié à un passage qui est dans la Bible. Et c'est un texte qui est très connu, qu'on a beaucoup parlé depuis le début d'année, par rapport à la terre promise, par rapport à la sortie d'Égypte. Et avant de lire le texte dans lequel je voudrais vous emmener, j'aimerais juste vous faire un petit récapitulatif. Alors nous sommes à la sortie d'Égypte. Les Moïse, par l'aide de Dieu, va sortir le peuple, va l'emmener dans le désert. Et pendant 2 ans, ils vont être dans ce désert où ils vont recevoir la parole au mont Sinaï. Et de là, le Seigneur va les envoyer, va leur dire « Allez jusqu'à la terre promise, à cette terre que je vous ai préparée pour vous. » Et alors que Moïse emmène le peuple devant la terre promise, Dieu lui dit d'envoyer 12 hommes pour observer, pour regarder, pour espionner. Et c'est ce que Moïse va faire. Et on connaît très bien cette histoire. Hein. Les 12 espions vont partir à Canaan, vont regarder à droite, à gauche, vont passer, vont faire tout le terrain, vont passer partout. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont revenir. Et on sait ce qui va arriver, c'est que 10 des 12 vont revenir totalement défaitistes et 2 des 12 donc, vont être au contraire complètement positifs. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que les 10 vont tellement réussir à remonter le peuple contre Moïse que le peuple va parler même de lapider Moïse. Et à ce moment-là, Dieu se fâche. Et Dieu dit à Moïse quelque chose de très fort, il dit « Je vais détruire tout ce peuple et je vais recommencer un nouveau peuple à partir de toi, Moïse. » Et tous les autres, je vais les zigouiller, en fait. C'est ce qu'il voulait dire. Hein. Je vous dis ça comme ça, mais c'est ça. Et Moïse va faire quelque chose de juste incroyable. C'est que Moïse va prendre la défense du peuple. Mais si on lit bien le texte, on se rend compte que ce n'est pas tellement par rapport au peuple que Moïse va parler. C'est par rapport à l'honneur qui est dû au nom de l'Éternel. Et Moïse va dire, « Mais Seigneur, tu ne peux pas tuer ce peuple. » Parce que toutes les personnes en Égypte, toutes les personnes et nations autour savent que tu as libéré ce peuple à main forte et à bras étendus. Et si tu fais ça, ton nom va être moqué en fait, ton nom va être bafoué, ton nom va être complètement ridiculisé. Et parce que nous on a la crainte, parce que Moïse avait la crainte du nom de l'Éternel, il a demandé, il a supplié à Dieu d'épargner le peuple. Moi quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment touchée. Je me suis dit, mais est-ce que nous, on met tellement d'honneur dans le nom de Dieu qu'on est capable de se positionner pour défendre l'honneur de Dieu? Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé. Ça, c'est juste une parenthèse parce que ce n'est pas vraiment le sujet de mon message. Mais réfléchissez à ça. Moïse a simplement demandé à Dieu de pardonner au peuple par amour pour le nom de Dieu. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et après cela, on va arriver au texte qui m'intéresse. Donc, il se trouve dans Nombre, au chapitre 24. Et, attendez, non, pardon, Nombre, chapitre 14, où je suis, oui. À partir du verset 20, Dieu va pardonner au peuple. L'Éternel répondit, « Je lui pardonne, comme tu me l'as demandé. Néanmoins, aussi vrai que je suis vivant et que toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, aucun de ces hommes qui ont vu ma gloire et les manifestations extraordinaires que j'ai produites en Égypte et dans le désert, qui ont déjà 10 fois voulu me forcer la main et qui ne m'ont pas obéi, aucun de ces hommes ne verra le pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres. Aucun de ceux qui m'ont méprisé n'y entrera. » Et là, au verset 24, écoutez bien. « Mais mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu, et ses descendants en hériteront. » Seigneur, je veux juste
prier maintenant pour que ta parole puisse vraiment entrer dans les cœurs. Que cet esprit qui nous anime ce soir puisse être un esprit différent. Nous puissions vraiment te laisser, toi, venir et nous imprégner dans le nom de Jésus. Amen. Si vous m'avez bien suivi, j'ai lu ce verset. Caleb a été animé d'un esprit différent. D'après vous, c'est quoi cet esprit différent qui a animé Caleb? Est-ce que vous avez bien entendu ce que je vous ai lu? Vous pouvez répondre, personne? Non? L'obéissance, exactement. Qu'est-ce qu'il dit? Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation jusqu'au bout. On connaît tous cette histoire de Caleb. On a beaucoup parlé de Caleb ici à la Graouze. C'est vrai que c'est un personnage qu'on aime bien. Roberto en parle aussi régulièrement. Et moi, j'ai cherché, vous savez, en Israël, le nom veut toujours dire quelque chose. Le nom de quelqu'un a une vraie signification. Et Caleb veut dire, alors il y a beaucoup de sens, mais le sens que moi j'ai retenu, la racine, c'est orienté par son cœur. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui a orienté le cœur de Caleb pour en faire quelqu'un qui avait un esprit différent? Qu'est-ce que c'était? C'était cette obéissance. Alors vous allez me dire, mais finalement les 12, ils sont rentrés dans la terre promise. Là, Myriam est en train de nous parler de Caleb, mais les 12 ont obéi. D'accord? Les 12 ont obéi, on est tout à fait d'accord. Mais si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 qui sont revenus se sont attachés aux faits, à ce qu'ils ont vu. Ils sont revenus en parlant des géants, en parlant de la muraille, des fortifications, que c'était juste impossible de pénétrer dans ce pays. Alors que Caleb, Josué, moi je ne vais pas parler de Josué, je vais vraiment parler de Caleb, est revenu en disant, waouh, Seigneur, mais c'est super, on peut rentrer dans ce pays. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et moi, j'aime imaginer que c'est Josué et Caleb qui portaient les raisins, là, qui étaient très lourds, vous savez, parce qu'eux, ils ont vu le fruit. Ils ont vu qu'est-ce qui pouvait sortir. Et ce qui m'a parlé par rapport à ça, c'est que Caleb est rentré dans cette terre promise avec un esprit différent, dans le sens où il connaissait Dieu. Il avait fait une vraie rencontre avec Dieu. Caleb connaissait le Dieu d'Israël, il connaissait les promesses qui s'attachaient à ce que Dieu avait dit par rapport à Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner une terre. Et quand Caleb est rentré dans cette terre, il savait qu'il était en train de vivre l'exaucement de paroles qui avaient été données aux patriarches de l'époque. Il est rentré en étant convaincu que ce Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte était capable de les mener à bien et de leur faire posséder cette terre qui était à eux. Il est rentré dans cette terre en regardant partout, mais comme un conquérant. Il n'est pas allé là-dedans comme quelqu'un qui ne savait pas trop, qui venait observer, comme les 10 autres. Non, Caleb et Josué, eux, sont rentrés comme des conquérants. Là où ils marchaient, ils savaient que cette terre-là était à eux. Et ça, ça fait toute la différence. Parce qu'ils croyaient dans la promesse que Dieu avait faite. Et je me suis posé la question, pourquoi obéir a été tellement difficile? Dans le cadre des espions, ils ont obéi. Mais qu'est-ce qui a fait que l'obéissance, quand on parle d'obéissance, bon, nous les Français, c'est quelque chose de très... on a les poils qui s'hérissent dès qu'on parle d'obéissance. On n'aime pas. Hein. Nous, on a coupé la tête de notre roi. On fait la révolution. On fait des manifs. On fait des grèves. On est doués pour tout ça. On n'aime pas l'obéissance. C'est quelque chose qu'on a du mal. Mais dans ce texte-là, ce qui m'a parlé vraiment, c'est de me dire, mais en fait, quand Dieu a vu le cœur différent de Caleb, c'est parce que Caleb a obéi. C'est simplement l'obéissance. Et vous savez, le premier péché, c'est quoi? C'est la désobéissance d'Adam et Ève. Ève a succombé au péché parce qu'elle a écouté et elle n'a pas obéi à ce que Dieu avait dit. Le diable, depuis le début de la création, cherche à nous faire désobéir. Pourquoi? Parce qu'il sait que le fait de désobéir va nous couper de la relation qu'on pourrait avoir avec le Seigneur. Et c'est son but. Lui, ce qu'il veut, c'est de nous détourner de ce que Dieu a pour nous, des projets que Dieu a pour nous. Et tout ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous décourager, de nous permettre de désobéir. Et c'est, quelque part, c'est ce qui pousse un peu les espions. Les 10 qui reviennent sont découragés. Il leur montre quelque chose qui n'est pas... eux, ils voient des choses qui sont difficiles. Ils ne sont pas du tout dans l'obéissance. Alors que Caleb a compris ce que Dieu voulait. Caleb a eu cette foi en Dieu et a cru en ce que Dieu avait parlé. Et si on suit bien ce texte, on se rend compte que finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 espions sont morts.
tout de suite. Hein, Dieu a puni les 10 espions et toute la première génération qui étaient là à la sortie d'Égypte n'ont pas pu entrer dans la terre promise. Tous sont morts, excepté Caleb et excepté Josué. Et croyez pas que pour nous c'est différent. Je me suis mis devant le Seigneur et je me suis dit, mais Seigneur, ce que tu as fait à l'époque, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit la même chose. Quand il nous donne sa parole, c'est pour que nous obéissons. Et si nous obéissons, alors Dieu va pouvoir agir dans nos vies. Vous savez, l'obéissance permet à Dieu d'agir. Si vous n'obéissez pas, ben Dieu ne pourra pas agir parce que c'est vous-même qui bloquez l'œuvre de Dieu. Et si on regarde l'histoire de Jonas, hein, je vais vous dire, Jonas n'était pas brillant. Hein. Jonas, Dieu lui a demandé quelque chose. Il n'a pas voulu, il s'est retrouvé dans l'estomac d'un poisson pendant 3 jours. Je peux vous dire, ça ne devait pas être très bon. Et il a été vomi à Ninive. Donc, ce n'est pas très ragoûtant. Hein. Vomi, hein, c'est vraiment ce qui est marqué. Et en fait, quand Dieu veut quelque chose, Dieu va travailler jusqu'à ce qu'on dise et qu'on plie le genou et qu'on dise oui. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. Mais cette obéissance-là, si on accepte d'obéir à Dieu sans regarder à ce qui nous entoure, sans regarder à ce qu'il y a autour de nous, va nous amener à porter du fruit. Et en fait, ce que j'ai marqué, c'est que l'obéissance amène du fruit. Et si on regarde l'histoire de Caleb, il est marqué qu'il a obéi jusqu'au bout. Il a persévéré à suivre. Il a été obéissant jusqu'au bout. Et c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup parlé des arbres, des feuillages, des fruits, d'être bien planté. Mais Caleb, il était bien planté. Il était planté dans la foi. Il était planté dans son espérance. C'est ce qu'on dit, hein, Caleb, sa foi, en fait, et c'est ce qu'il a fait à déterminer son attitude. Vous connaissez toute cette phrase qu'on dit, hein, ton attitude détermine ton altitude. C'est exactement ce qui s'est passé pour Caleb. Son attitude de croire en ce Dieu qui était là, qui avait parlé, qui avait promis de donner une terre, a permis qu'il y aille avec persévérance. Et il a visité cette terre en croyant à la promesse. Mais ce qui s'est passé après, c'est là où il y a quelque chose, c'est que pendant 40 ans, Caleb a été puni. Vous êtes d'accord avec moi? Il a tourné comme les autres pendant 40 ans. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas obéi, c'est juste que les conséquences du péché du peuple l'ont emmené à tourner en rond pendant 40 ans. Mais vous savez quoi? Pendant ces 40 ans-là, ce qui a été différent avec Caleb, c'est que Caleb, il n'est pas resté juste à tourner en rond. Caleb, il s'est fortifié à l'intérieur. Caleb, il a appris. Il a appris à développer sa relation avec Dieu. Caleb, il a appris à chercher ce que le Seigneur avait de bon pour lui. Il est devenu un guerrier. Il a appris. Vous savez, le peuple sortait d'Égypte, c'était des esclaves. Ils n'avaient rien. Ils ne savaient pas se battre. Il ne faut pas croire que la terre promise devant eux, c'était facile. Ils n'avaient pas à se battre. Ils avaient été esclaves pendant des siècles, des années et des années. Et là, ils se sont retrouvés 40 ans où ils ont appris. Et Caleb a profité de ce temps-là pour apprendre. Et pour nous, je me suis rendu compte que l'obéissance, parfois, peut être longue. Parfois, le Seigneur nous demande des choses. Alors, il y a des personnes qui vont venir me dire, « Bof, nous, Myriam, moi, je n'entends pas vraiment le Seigneur me parler. Moi, je ne sais pas, ça c'est bien, les pasteurs, ça c'est bien pour vous, ça c'est bien. Moi, je ne sais pas, le Seigneur, je n'entends pas. » Mais c'est faux, je vous dis, c'est du mensonge, c'est faux. Qu'est-ce que vous n'entendez pas? Ouvrez votre Bible. Tout ce qui est dans la Bible, c'est les commandements que l'Éternel nous donne. Ne venez pas me dire que Dieu ne vous parle pas si vous êtes un chrétien ou si en tout cas vous savez ouvrir votre Bible et lire dedans. Il y a des lois, il y a des ordres, il y a des consignes que Dieu nous a données et qui font que si on les suit, on va être heureux. Dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 20, il est écrit « Choisissez d'aimer l'Éternel, votre Dieu, de lui obéir, de lui rester attaché, car c'est lui qui vous fait vivre. De votre obéissance, de votre amour pour Dieu et de votre attachement à Dieu, vous aurez la vie et une vie en abondance. » La question, c'est est-ce que vous voulez obéir à Dieu? Vous savez, si Dieu a pris la peine de faire passer sa parole depuis des siècles et de l'amener jusqu'à aujourd'hui, pour nous, c'est bien qu'il a quelque chose à nous dire. Pensez pas qu'il allait juste s'amuser à vous faire passer sa parole, pas du tout. Cette parole est vivante, cette parole est vraie. Et si Dieu vous donne des
consigne. Si Dieu dit ne vole pas, il sait très bien que si vous volez, vous allez partir en tôle et c'est une vie gâchée. Si Dieu vous dit ne commets pas d'adultère, c'est parce qu'il sait très bien où cela va vous mener. Si Dieu vous dit mais ne convoite pas ce que ton voisin il a, c'est pour que tu sois serein dans ta vie et que tu sois bien. Tout ce que Dieu vous demande, c'est pour nous, c'est pour qu'on soit bien. Est-ce qu'on veut l'écouter? Est-ce qu'on veut obéir à sa voix? Ton obéissance va déclencher des fruits. Ça peut prendre du temps, tu peux être découragé, mais si tu t'accroches, si tu crois dans ce que la parole a dit, alors tu le verras s'accomplir. Vous savez, moi je suis issue d'une famille arménienne, ma grand-mère maternelle était arménienne, et elle a connu le génocide, donc elle s'est enfuie, elle a réussi à venir en France, à se marier, et elle a eu 8 enfants, dont un qui est mort. Mais ma grand-mère était quelqu'un qui croyait profondément en Dieu, qui a vraiment traversé tout cela avec l'aide de Dieu. Et elle a eu un fils aîné que Jean-Hubert connaît, certains connaissent, et Ilya Poudjian, qui était quelqu'un, avant sa conversion, de pas net du tout. Ce n'était pas quelqu'un de très fréquentable, ce n'était pas quelqu'un forcément de très bien. Mais je peux vous dire que ma grand-mère, pendant 30 ans, a prié pour son fils. Alors parfois on prie pour nos enfants, on se dit ça ne va pas assez vite. Elle a prié 30 ans sans jamais se désespérer parce qu'elle avait cru à la parole que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Tous tes fils seront serviteurs de l'Éternel. Elle a pris ça à la lettre, elle a dit, tant pis, je vais être déterminée. Et elle a été déterminée pendant 30 ans à prier pour son fils jusqu'à voir son fils aîné se convertir. Et mon oncle Élie a été quelqu'un d'incroyable. Ceux qui le connaissent savent qu'il était passionné par Dieu et vraiment quelqu'un de bouillant pour l'Éternel. Et sa bénédiction a été pour lui, pour ses enfants, puisque mon cousin est pasteur aussi, pour les enfants de mon cousin et pour cette génération. Et de la même façon pour nous, l'attitude de ma grand-mère a été déterminante dans nos vies. Parce que nous, la famille, eh ben, on tient et on connaît le Seigneur. Et ça, c'est quelque chose parce qu'une femme, un petit bout de femme qui a survécu un génocide, a dit, je m'accroche à la promesse. Je m'accroche à ce que toi, Seigneur, tu dis de moi. À ce que toi, tu dis pour ma vie. Et ma grand-mère n'a pas regardé aux circonstances actuelles, tout de suite de sa vie, instantanément. Elle a regardé à plus loin, ce que Caleb a vu. Caleb voyait plus loin. Caleb avait la vision, cette terre est à nous. Quoi qu'il en soit, cette terre sera à nous. Et je peux vous dire une chose. C'est que ce type-là, ce Caleb, si on en revient à lui, il est rentré dans la terre promise, il avait 80 ans. À 85 ans, il est parti voir Moïse, et il est parti voir Josué, et il a dit à Josué, ce que Moïse m'a promis, aujourd'hui, 85 ans, je suis aussi fort que quand j'en avais 40, et je vais rentrer, et je vais être déterminé à récupérer mon héritage. Et c'est ce qui s'est passé. Caleb est parti, Caleb est rentré dans la terre promise, Caleb est monté à Hébron, Caleb a viré les géants de Hébron, et Caleb a pris possession de sa terre, et Caleb a porté du fruit, puisque ses enfants ont hérité de Hébron. Et ça, c'est la foi dans l'obéissance, c'est ce qui a déclenché la détermination de Caleb. Pour moi, Caleb est vraiment un modèle, parce que je me dis, mais bon sang, ce gars-là, il a traîné, il a erré, il a vécu avec Israël, mais il a cru que cette terre-là était une parole donnée aux patriarches et était à eux. Il n'a pas douté une seule fois. C'est la même chose pour chacun de nous. Si nous croyons aux promesses que Dieu nous donne, et pour ça, ouvrez simplement la Bible, hein, et vous verrez tout ce que Dieu vous donne, vous allez avoir votre récompense. Vous verrez, il va se passer quelque chose. Vous porterez du fruit. Oui, l'obéissance amène à la récompense. On ne sert pas Dieu pour une récompense, vous êtes bien d'accord. On sert Dieu parce qu'il est Dieu. Mais sachez que Dieu nous aime tellement, tellement, que tout son désir à lui depuis Adam et Ève, c'est de pouvoir nous bénir et de pouvoir faire de nous son peuple, son bien le plus précieux. Et c'est ce qu'il essaye de faire depuis des siècles, c'est ce que Dieu essaye de faire, de nous rappeler, je suis Dieu, je suis celui qui vous aime. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, écoute-moi. Et dans le verset qu'on a lu, il est dit, à la fin de ce verset, il est dit, je le ferai entrer dans le pays et ses descendants en hériteront. L'obéissance amène à la bénédiction. Et sachez une chose, c'est que l'obéissance envers Dieu n'est pas une obéissance pour nous. C'est quand on obéit à Dieu, alors on a bien sûr, on a les fruits de ce qu'on a obéi, mais l'obéissance va être pour
quelqu'un d'autre. L'obéissance va être pour la génération qui suit. Si vous réfléchissez à Abraham, quand Dieu a dit à Abraham, « Abraham, quitte Ur en Chaldée et va dans le pays que je te donnerai », on pourrait imaginer qu'Abraham, il voyait son petit monde à lui, hein, avec son père, Lot, Sarah, et puis voilà, et on y va, et Seigneur, tu vas me donner des enfants, et on verra bien. Pas du tout. Dieu, bien sûr qu'il voyait Abraham, mais il voyait quoi? Il voyait Isaac, il voyait Jacob, il voyait les 12 tribus, il voyait l'Égypte, il voyait Joseph qui venait, il voyait le peuple qui rentrait en Canaan, il voyait les juges, il voyait les rois, il voyait David. Il voyait Jésus sur cette terre d'Israël qu'il allait amener. Il voyait Israël d'aujourd'hui. Il voyait son retour qui va revenir parce que Dieu est en train de se préparer à revenir, on le sait. Ça, c'est quelque chose de juste puissant par l'obéissance d'Abraham. Parce qu'Abraham a répondu présent quand Dieu lui a dit « Lève-toi, quitte ton pays et pars. » Par l'obéissance d'un homme, Dieu a pu bénir. Alors, il aurait certainement béni d'une autre façon. Mais moi, ça me touche profondément de savoir que parce qu'un homme a répondu oui à Dieu, tout un pays a été béni et a eu en fait une vraie importance dans l'histoire. Et c'est quelque chose qui est vraiment touchant parce que je me dis, mais si nous, on décide d'obéir à Dieu, dans notre petite sphère à nous, si nous, on dit « Ok Seigneur, on obéit à ce que tu nous as dit », je suis sûre que chacun d'entre nous, Dieu vous a parlé, Dieu vous a dit des choses. Peut-être avez-vous dit, Seigneur, un peu plus tard, oh, pour l'instant, on n'a pas vraiment le temps. Oui, Seigneur, on croit, mais c'est tellement long, ça ne répond pas, on en a marre, on est fatigué de croire, il n'y a rien qui se passe. Ce n'est pas vrai. Croyez en la promesse. Croyez dans ce que Dieu dit. Et Dieu dit qu'il vous bénira, vous et les enfants de vos enfants. Tout à l'heure, on chantera ce chant que j'aime beaucoup, moi, que dans une des paroles, c'est que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur tes enfants et leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Un Dieu d'abondance, un Dieu de bénédiction, un Dieu qui veut vous donner le meilleur à la condition que nous sommes prêts à obéir. L'obéissance a un prix. Ne croyez pas que l'obéissance n'a pas un prix. L'obéissance a un prix. Mais le résultat est tellement, tellement supérieur à ce qu'on peut payer. Vous savez, c'est Bruno Picard qui a raconté, je ne sais pas pour ceux qui étaient là pendant le camp d'été, et c'est une histoire qui m'a tellement, vraiment touchée. Il a raconté cette histoire où il demandait au Seigneur de l'upgrader, je ne sais pas comment on dit en anglais, enfin bon, de le mettre en première classe dans un avion. Et il rêvait de ça. Il disait, moi je suis toujours en économie, qui fait beaucoup de voyages. Il disait, Seigneur, j'aimerais tellement être une fois en première classe. Et le Seigneur l'a entendu. Et un jour, il l'a mis en première classe. Alors Bruno raconte avec tout son humour hein, de Bruno, il raconte, ouais, j'étais trop content, tous les boutons, j'appuyais, champagne, machin, j'avais droit à tout, la totale, j'étais trop bien dans mon petit coin et tout, trop content. Et il s'installe dans son avion, il s'installe à sa place, il voit qu'il y a un type qui vient s'asseoir à côté de lui et il dit, je ne veux rien savoir, je suis en première classe, je veux profiter à fond de ce cadeau que Dieu me fait, Dieu me bénit, j'en profite. Il met ses écouteurs, il met son masque là pour plus rien voir, et il s'occupe que de lui, que de son petit... Et il raconte en fait que le lendemain, à l'heure où ils atterrissaient, il a enlevé sa ceinture, il s'est enlevé ses écouteurs, son truc, il a regardé le gars à côté de lui, et dans les yeux de cet homme-là, il a vu tellement de souffrance qu'il a entendu le Saint-Esprit dire « Tu crois que je t'avais placé dans cet avion pour toi ?» pour juste honorer toi, mais rien du tout, je t'avais mis là pour cet homme-là. Il n'a jamais réussi à retrouver cet homme, et il dit que ça a été une de ses plus grandes peines, mais ça a été la plus grande leçon de sa vie. Nous ne sommes jamais bénis pour nous-mêmes, sachez-le. Si vous avez une bénédiction dans vos vies, et on en a tous, autant qu'on est, on est gâtés, on est dans des pays, un pays libre encore pour l'instant, on peut faire beaucoup de choses, sachez bien que vous n'êtes pas bénis pour vous. Vous êtes systématiquement bénis. Bien sûr, vous bénéficierez de quelque chose, mais vous êtes béni pour quelqu'un d'autre. Pensez-y. Pensez à ça, parce que c'est vraiment... L'obéissance est une des clés qui va amener la bénédiction sur d'autres personnes. Et si vous obéissez, vous amenez la bénédiction sur votre église, vous amenez la bénédiction sur vos frères et sœurs ici, parce que ce que vous allez accepter de faire va amener la bénédiction sur les autres. Ne croyez pas que c'est juste sur vous.
Et ça, ça change tout. Si on est capable de penser obéissance comme Christ veut que nous obéissions, on va voir les choses différemment. La personne qui a obéi le plus, évidemment, on le sait, c'est Jésus. Et vous le savez bien. Et moi, j'aime tellement à m'imaginer Dieu dans le ciel avec Jésus, le Saint-Esprit, et Dieu depuis la chute d'Adam, en train de se dire, mais qui vais-je envoyer pour racheter mes hommes là que j'aime tellement? Qui je vais pouvoir envoyer? Et j'aime penser que Dieu était là, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais racheter ce monde? Dieu le savait. Mais Jésus, j'aime voir Jésus venir à son Père et dire, Papa, moi, envoie-moi sur cette terre. Et moi, j'irai au bout. Et moi, je ferai ce qu'il faut pour que ton humanité, que tu chéris tellement, soit sauvée. Et j'aime penser à cette détermination de Jésus qui accepte du royaume qu'il possédait. Jésus était dans la gloire avec son Père, il était là. Il s'est fait homme, il est descendu, il est venu sur cette terre parce qu'il savait que son papa ne pouvait être heureux que si nous, nous rentrions dans la maison avec lui. Et vraiment, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre dans votre cœur. S'il y a une chose à vous rappeler, c'est que l'obéissance de Jésus vous a amené à être sauvé. Ce n'est pas grâce à vous, ce n'est pas grâce à ce qu'on fait. On peut être les meilleures personnes du monde, on peut être les plus humanistes. Ce n'est pas ça qui va nous gagner le ciel. C'est vraiment l'amour de Dieu, de croire que Jésus est venu et qu'il a donné sa vie pour nous. Et ce soir, j'aimerais vraiment vous demander, quel esprit vous anime? Quel esprit vous anime réellement? Qu'est-ce que vous voulez vivre? Est-ce que vous voulez vivre une supposée liberté, celle que le monde offre à l'instantané? Ou est-ce que vous voulez aller plus loin et croire à la vision que Dieu a pour vous, pour vos familles, pour les enfants de vos enfants, de vos enfants, et pour l'Église, et pour tous ceux qui sont autour de vous? Est-ce que vous préférez penser ça, ou est-ce que vous préférez dire, ben moi je veux bien obéir, mais bon Seigneur, je ne comprends pas trop. Et j'ai vraiment à cœur de vous demander ce soir, je ne vais pas être plus longue, j'aimerais simplement que vous vous rappeliez, est-ce que à un moment donné, quelque part dans votre vie, Dieu vous a demandé quelque chose? Est-ce que quelque part Dieu vous a demandé de le suivre d'une façon ou d'une autre? Vous a demandé de faire un choix, de faire un sacrifice, de lâcher? Peut-être c'est une relation, peut-être c'est une personne, peut-être c'est d'arrêter de critiquer, peut-être c'est d'arrêter de travailler dans quelque chose n'est plus pour vous. Peut-être que c'est de revenir, de rester à l'église, d'être attaché à cette église. Ça peut être tout, n'importe quoi, quelque chose de personnel que vous avez reçu. Peut-être que c'est quelque chose que quelqu'un vous a dit. Demandez au Seigneur où vous en êtes. Et si vous croyez que l'obéissance est quelque chose que Dieu vous demande dans la joie, parce que ce n'est pas lourd d'obéir à Dieu. Hein, là, ne croyez pas que pour moi, c'est quelque chose de difficile de vous dire d'obéir, pas du tout. L'obéissance à Dieu amène la joie, amène vraiment le bonheur, parce que c'est le vrai bonheur. Moi, je voudrais vous demander ce soir, si parmi vous, il y a des personnes qui n'ont pas obéi ou qui savent dans leur cœur qu'elles ont un pas à faire, qu'elles ont une décision à donner, je vous invite juste là, maintenant, sans regarder à droite ou à gauche, levez votre main, simplement, et on priera avec vous. Et je veux vraiment prier pour que cet esprit qui a animé Caleb et qui était différent, parce que Caleb a vu ce que Dieu voulait pour eux, a cru à la vision de Dieu quand Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une terre, et lui, il a connu ce Dieu-là. C'est le même Dieu qui vous dit aujourd'hui, écoute ce que j'ai à te dire, crois-moi, fais-moi confiance, je ne te décevrai jamais. Dieu ne te décevra jamais. L'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Et si tu décides ce soir d'obéir, de dire oui Seigneur, je viens et je t'obéis, repens-toi et dis je repars avec toi Jésus, parce que c'est ce que tu me demandes et je veux le faire dans la joie. Donc voilà, je vous invite, si vous avez envie de lever la main, on le fait. Si personne n'est touché, il n'y a pas de souci. Moi, je sais simplement que Dieu sait ce qu'il dit dans les cœurs. Alors, Seigneur, tu vois chaque personne ici. Tu vois ce que toi, tu veux faire dans les cœurs de chacun. Tu vois combien tu nous invites à obéir, pas de la mauvaise obéissance, mais de cette obéissance qui amène la liberté. Cette obéissance qui nous amène
à compter sur toi, parce que tu es celui qui pourvoit à tous nos besoins. Et au-delà de ça, tu es celui qui bénit et qui bénit et qui bénit encore, parce que c'est ton ADN, parce que c'est ce que tu es, un Dieu d'amour. Seigneur, nous voulons ce soir te dire oui. Nous voulons marcher sur tes traces. Nous voulons suivre ce roi des rois que nous aimons tendrement. Et nous voulons venir derrière toi et te dire, prends toute notre vie, Jésus. Prends toute notre vie, nous voulons t'obéir. En tout cas, c'est le cas pour moi, Seigneur. Je refais alliance avec toi et je te dis, Seigneur, je désire t'obéir. Alors, merci, Jésus. Amen. Soyez bénis tous. Juste avant de finir, j'avais demandé à Damien et à l'équipe de prendre ce chant qui passe en boucle en ce moment. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais certainement que soyez... comment ça s'appelle la bénédiction, voilà, sur les générations. Et voilà. Et après ça, on se dit, vive les frites, hein, parce que je crois que c'est ce qui se passe. Amen. Amen.
génération sur ta famille, tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi, comblé de vie, génération sur ta famille. Et tes enfants, et les enfants de leur vie. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est sa présence, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi.